Bonjour, donc on va continuer, on va créer une deuxième macro. Donc on va voir les macros dont on dispose sur ce classeur. Voilà, je suis sur la feuille janvier. Donc on va sur l'onglet développeur, macro. Nous avions fait une macro qui s'appelle marron supérieur à 200, en s'agissant de la colonne débit. On va l'exécuter d'ailleurs. Voilà. Mars, il a mis en forme les débits supérieurs à 200 euros. Février, idem. Janvier. Maintenant, on va aller enregistrer. On va faire une deuxième macro, cette fois-ci, qui met en forme conditionnelle, qui mettra en vert les crédits supérieurs à 400 euros. Donc, on va enregistrement macro. On va l'appeler crédit, pardon, crédit sup à 400. OK. On arrête l'enregistrement. Ça suffit, on a une macro vierge. Donc on va prendre le pas à pas de l'autre, la marron sup. On va prendre l'autre qu'on va modifier tout simplement. On va copier-coller le code et le modifier. Donc, on prend jusqu'à N sub, copier, on ferme la précédente, on revient sur le macro, la dernière créée, le crédit sup, on va mettre dans ce classeur, crédit sup, pas, pas, donc il n'y a rien. On se met ici, et là, on va clic droit, coller. Bon. Ça réinitialise, d'accord, c'est une macro différente. La variable, on ne la change pas. Par contre, on va changer le range. Le range, c'est C3. Vous rappelez que c'est la colonne C et le débit. Le crédit est en colonne D. Donc, on va mettre majuscule D3, 2 points, D200, par exemple. Bon, 200 correspondrait à la ligne, ça prendrait large. Ça sélectionne des mouvements bancaires, supposons que ça descende plus bas. Par contre, l'opération de greeter, ben là, il ne faudra pas oublier de mettre ici 400, parce que là, on avait mis les débits supérieurs à 200. S'agissant cette fois-ci des crédits, ici, on remplace le 2 par 4. Voilà, le 4 ici, sinon, il ne nous prendra que les 200. Et aussi le code couleur qu'on remplace, ça c'était le code couleur marron. On va mettre le code couleur du vert qui correspond à 528. 79 36. Voilà, donc je pense que c'est bon. Donc on ferme et puis on exécute. On la prend. Alors crédit sup, on revient voir le pas à pas. Voilà, rien d'anormal apparemment. On ferme, on se place, on assure qu'on est bien sur janvier. On revient sur macro, on prend le crédit sup, on l'exécute. Et là, on va vérifier. Ici, mars, c'est fait. Février, c'est fait. Janvier, c'est fait. Bonne soirée.